15e club de lecture reçoit deux éminents auteurs, à commencer par M. Idrissa Samake, qui est l'auteur de l'ouvrage Tinkele, des origines à la modernité, et Mme Diarasuba Asitan Samake, auteur de La révolte du 21 juillet 1968 au Djitimou. Mesdames et messieurs, donc j'ai l'honneur et le réel plaisir de vous remercier de votre présence remarquable à la présentation du livre Le Djitimou à travers le regard de ses enfants, Tinkele, des origines à la modernité. Donc ce livre, vraiment, est l'aboutissement d'un long processus de recherche auprès des personnes de ressources, des acteurs et témoins de l'histoire contemporaine et ancienne de Djitimou, de recherches effectuées parfois sous la pluie, dans des conditions épouvantables, sur des routes sinueuses, des villages reculés de Djitimou, mais aussi dans le district de Bamako et la ville de Kati. Ce livre est aussi le produit d'investigations documentaires, d'entretiens et de causeries, d'écoutes radiophoniques et téléphoniques, télévisuelles, ainsi que de recherches sur le net. Le résultat de ces efforts n'est pas loin, le voici. Un livre qui parle, mais de quoi ? De l'origine du patronyme Samake. Je rends grâce à Allah le Miséricordieux qui nous a permis d'être présents cet après-midi dans ce centre de l'école du maintien de la paix à Lungblendenbeye. Tout d'abord, mes remerciements vont à l'endroit du directeur du centre, le docteur Afoli, et à ses collaborateurs, car ce sont eux qui m'ont donné l'occasion de parler de mon livre intitulé « La révolte du 21 juin 1968 au Djitimou ». Permettez-moi, à travers ce livre, de soulever un débat qui est encore d'actualité. Ce livre est divisé en deux grandes parties. La première partie parle de la révolte proprement dite. La deuxième partie parle de la vie de Djitimou Moussa, le fondateur de Djitimou. J'ai aussi voulu écrire ce livre pour éviter que les faits réels tombent dans l'oubli et ou se transforment en mensonges. Quelqu'un n'a-t-il pas dit que un mensonge considéré ou pris pour une vérité pendant des années se transforme en réalité. Pour éviter cela, j'ai voulu toucher du doigt les principaux facteurs qui ont conduit à cette révolte. Toutes ces raisons sus-énumérées m'ont amené à écrire ce pan de l'histoire politique du Mali, afin que l'opinion nationale et internationale soit édifiée sur cette révolte de Djitimou.